Question soit à faire visa, question soit à faire résidence, il pile a monde qui pose pile question. Dans la vidéo aujourd'hui, je choisis de répondre à 8 questions. Je vais répondre à 8 questions seulement parce que je ne vais pas faire une vidéo à l'ombre. Bonsoir tout le monde, c'est Alexandre Dine. J'aime ce petit là -là, a, que dit là, dans la vidéo aujourd'hui, je vais répondre à 8 questions que le public a qui pour moi. Sans perdre du temps, en entrée rapide, dans la première question. Première question dit, est-ce que vous a quelqu'un au Mexique avec résidence dominicaine Est-ce que vous a quelqu'un Mexique avec résidence dominicaine Réponse, c'est non. Yon résidence dominicaine, pas permettre à quelqu'un d'aller au Mexique. Yon résidence dominicaine, pas permettre à quelqu'un visiter Mexique. Rapidement, on a entré dans la deuxième question. Et moi, je pour nous. ça a dit, Zamy, pas bonsoir. Ça a fait. Je vu Brésil. Passeport m'expiré. Je ne pas citoyen brésilien. Si je pas citoyen brésilien, est-ce que je peux voyager? Si je ne Canada, combien ça coûte Rapidement, je dis citoyen ça, Si ou pas citoyen brésilien, c'est se seulement citoyen haïtien que vous voyez. C'est un passeport haïtien seulement que vous avez Je vous conseille de faire passeport avant même de voyager. Je vous conseille de voyager avec passeport. Je pas conseille de voyager sans passeport. Et deuxième bagaille, citoyen, dit-moi, il dit si je rentre au Canada, combien de ça va coûter Pour me répondre à cette question, ça n'a pas vraiment un prix fixe, ça va dépend de qui période vous achetez le ticket, ça va dépend de à qui compagnie aérienne que vous voyagez, et ça va dépend du nombre de jours que vous passez au Canada. Donc, on le ticket à avion n'a pas vraiment un prix fixe, ça va dépend du moment que vous achetez. Rapide, rapide, on passe à la troisième question, je vais vous pour nous. Moune Bonsoir, comment vous Moi, je vous aider s'il vous plaît, pour mon visa Pérou. Je vous visa dominicain déjà. Je vous sur YouTube, je vous faire des bonnes informations. Je vais vous aider s'il vous plaît. Bon, merci parce que vous quitté le message pour moi. Et rapide rapide, je vous dis, ça fait plaisir que vous pouvez sur YouTube. Pour me répondre à ça au début, je fais que je ne peux pas aider mon jeune visa Pérou. Je ne peux pas aider moun jeune visa aucun pays. Moi-même, je ne travaille pas des vidéos pour partager informations ensemble avec vous. Je fais vidéo pour partager information. informations qui sont utiles. Je fais une vidéo pour montrer comment pêcher poisson. Mais moi-même, je pas aider aucun monde pêcher poisson. Par exemple, je demande un visa pour visiter Espagne, Je fais une vidéo pour montrer comment nous sommes de faire une demande visa pour visiter Espagne. Je demande un visa pour visiter Pérou. Je fais une vidéo pour montrer comment nous sommes capables de faire demande visa pour visiter le Pérou. Mais moi-même, personnellement, je ne pas aider à faire demande visa. Je pas aider. Je fais une vidéo pour vous montrer comment vous faire ou même. Travail ça, je ne Moins pas Je ne pas là pour m'aider demande visa. Mais moins là pour montrer comment pou vous faire. Mais si vous dites à faire demande visa, je ne fais pas parce que je ne fais pas travail ça. Je montre comment pour pêcher poisson, mais moi-même, je ne pa peux pas faire pêcher poisson. Je ne pas là pour m'aider à pêcher poisson. Mais moins je suis là pour vous montrer comment pour pêcher poisson. Je souhaite nous tous comprendre. Quatrième question, je lire pour nous. Alexandre, j'apprécie le travail informatif, et instructif ou fait sur le réseau. Mais, j'ai une question. Est-ce qu'il est possible pour me déposer pour résidence depuis en bien, que j'ai un contrat de travail Ou bien, est-ce que c'est vis à résidence pour moi-même Merci d'avance. Si vous avez un contrat de travail, avec le contrat de travail, vous capable demander un visa de travail. Là vous un visa de travail, vous capable demander un permis de travail. Avec contrat de travail, vous n'avez pas demandé demander un permis de travail directement. Avec contrat de travail, c'est un visa de travail ou vous demander. Et l'offre un visa de travail là, on est capable de demander un permis de travail. Cinquième message que j'ai quitté pour moi là, ils appelé pour nous, ils disent dit « hola, je vais un WhatsApp, je vais vivre Saint-Domingue, je vais avoir une résidence, ils m'ont aidé à faire une demande de visa. C'est ça, que je dit, je ne vais pas aidé personne à faire une demande de visa. Je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. Travail PAM, c'est faire vidéo pour montrer ou comment vous-même, vous pouvez faire une demande de visa. Mais moi-même, moi je ne vais pas aider à faire une demande là. Je fais vidéo pour montrer comment ou on ou café faire pourquoi. Mais moi-même, je ne pas là pour m'aider. Personne ne fait de demande visa. Je ne pas faire Et ça, ce n'est pas travail. Je ne fais pas ça. Je montre comment pour pêcher poisson. poissons. Mais moi-même, je ne pas aider à pêcher poisson. poissons. Si vous fait une demande visa, vous faites pour compte. Ou bien, vous cherchez chercher autre qui fait un service pour vous aider. Mais moi-même, moi ne pas faire un service. Je ne pas faire ça. Je pas aider. Personne à fait de demande visa. Je dis ça déjà, Travail Pam, c'est faire vidéo pour montrer comment ou ou vous-même vous faites une demande visa pour conto Si vous-même ou, ou pas une demande de visa pour conto c'est un qui normal. Mais vous cherchez un l'autre monde qui fait un service pour vous. Pas moi-même. ne vais pas pa service un service pas aider Personne ne fait une demande visa. Travail Pam, c'est fait vidéo. Ok, on allant aller dans le sixième message. là, Je ah. m'appelle pour nous. je vais vous est-ce que si vous avez entré sur le domaine illégal, mais vous avez un passeport? Elita y avait mis visa dominicain sous passeport. Est-ce que la, a Al nan yon concilia haïtien qui n'en pays Saint-Domingue domaine pour l'acheter? Rapidement, m'a pote ti précision sa pour vous amim, Y a pas qu'on achète visa, y a pas vann visa, y a pas qu'on achète visa. Alors, l'idée importante pour m'pote ti précision sa pour nous, parce que pas bon pour dire acheter visa. Est-ce que m'qu'a l'acheter? Non, y a pas qu'on achète visa, yo pa pas qu'on vend visa. C'est pour dire pito, est-ce que mande demandé? Visa, c'est demandé ou kon demande ça? Yo mandon viza, yo ka baoul, yo ka pa baoul. Pajam di achte, yo pa kon achte viza. Si yon moun da di ou lap vannou yon viza, di moun sa, Aleksandre di, yo pa kon vann viza, yo pa kon achte viza. Ou m'a dit non même Alexandre, dis c'est moi qui dis ça. dis moi ça, Alexandre dit, il y a pas qu'on acheter visa, il y a pas qu'on vend visa. Les n'a parlé, pa j'en dit nous prenons acheter un visa. C'est pour nous dire nous pral demander un visa. Visa, c'est demander ou on demande ça. Pour me répondre une question à Azamien, il m'a demandé, est-ce que le ka aller dans un consulat haïtien qui Saint-Domingue pour le demander un visa dominicain. Rapidement, m'a dit non, mon ami, ou pas faire ça. Ou pas aller dans un consulat haïtien qui Saint-Domingue. Pour demander un visa dominicain. Pour demander un visa dominicain, vous faites ça dans le consulat dominicain qui est Haïti. Ou bien, vous faites ça dans le consulat dominicain qui dans n'importe l'autre pays. Yon consulat haïtien qui un visa haïtien. Mais pas un visa dominicain. Visa Dominicain, c'est consulat dominicain qui a. Septième question. Est-ce que vous pouvez fait renouvellement de licence haïtienne pendant le Saint-Domingue? Tant que vous moins, s'il est capable de renouveler une licence haïtienne pendant le Saint-Domingue. Rapidement, Mabdi nous, dans saint domaine, il un consulat haïtien. Et qui est ce consulat? Ce consulat, c'est un petit pays que vous déplacé pour mettre en un lot pays. Ça veut dire, yon consulat haïtien qui est domaine, c'est un coup, c'est haïtien haïti que vous prenez, vous mettez en domaine. Ça veut dire, yon haïtien est supposé capable aller dans un consulat haïtien pour le renouveler, yon licence haïtien sans problème. yon haïtien est supposé capable aller dans un consulat haïtien pour le faire un passeport sans problème. Si vous-même, vous vivez Saint-Domingue, ou t'as supposé capable d'aller dans yon consulat haïtien qui Saint-Domingue pour faire un acte de naissance sans problème. Si vous-même, vous vivez Saint-Domingue, ou t'as supposé capable aller dans yon consulat haïtien qui Saint-Domingue pour, si Saint Saint pour faire yon certificat de bonne vie et mœurs sans problème. Si vous-même, ou c'est ou Haïtien qui vivre Saint-Domingue, ou ta suppose kapab ale nan yon konsula Haitien pou mfe yon kart d'identite san problem. Pou ki sa, se paske yon konsula Haitien se yon ti kal Haiti ke yo deplase pou yo vin mette Saint-Domingue. Yon konsula Haitien ki Saint-Domingue se yon ti moso Haiti ke yo deplase pou mette an dan Saint-Domingue. Pou m fini, map di, yon moun kap viv Saint-Domingue, Supposé capable d'aller dans un consulat haïtien pour renouveler une licence haïtienne sans problème. Quand y a là, est-ce que vous avez service ça? Je pas sais pas. Mais normalement, vous avez supposé bailler parce que un consulat, c'est pour ça. Huitième question est-ce que vous avez fait passeport dominicain si vous gagnez une résidence dominicaine? Réponse non. Pour faire passeport dominicain, il faut que vous gagnez nationalité dominicaine. Si c'est résidence dominicaine que vous gagnez, ça veut dire que vous n'avez pas de nationalité. Si vous n'avez pas de nationalité dominicaine, vous n'avez pas capable faire un passeport dominicain. Ça, c'était huit questions que j'ai choisi de répondre dans la vidéo. Je souhaite répondre sur tes clés ou non. Si vous même avez l'autre question, vous pouvez toujours quitter un commentaire. C'est toujours un plaisir pour me répondre. Avant je vous de vous abonner si vous voulez encourager, je vous quitter un like pour moi. pas de quitter les nous comptons en déjà, c'est Alexandre Dine. Ma bonne rendez-vous demain si Dieu veut pour une autre vidéo.